Donc, je m'appelle Bruno et je suis charentais d'origine, Rochelais. Très content d'avoir trouvé cette cure à ce jour. Et j'ai 63 ans. Je viens ici pour la quatrième fois. Il y a eu une interruption et j'en étais très, d'ailleurs, très affecté. Il y a eu une interruption avec le Covid. Donc, c'est la quatrième. Alors, quand j'ai emménagé dans la région, donc j'ai vu mon dernier spécialiste qui avait essayé de me soigner, de donner des traitements pour la fibromyalgie, puisque je suis fibromyalgique, et sans effet, et donc m'a parlé pourquoi pas une cure. Pas très convaincu, toutefois je rentre chez moi, je me renseigne et sur internet je cherche cure fibromyalgie et je tombe sur Sojo. 13 km de chez moi. Je me suis dit, je vais essayer. Évidemment, le site m'y a incité. J'ai dit, ça doit être bien. Et voilà comment je suis arrivé à Sojo. Alors, moi, la cure, je la considère comme ma bulle. Voilà, je suis un peu égoïste, c'est ma parenthèse. Et les bienfaits que je ressens, on est ici très chouchouté. Tous les gens sont très sympathiques. Gentil, et donc moi j'en reçois un immense bien-être. Voilà, je suis apaisé, c'est sourire tous les jours, et c'est très agréable. Donc pour moi, c'est du bien-être absolu. Bien évidemment, je recommande les termes, j'en parle autour de moi, ma famille. Puisque souvent les cures c'est associé à des gens très âgés, etc. Il y a toute catégorie de gens qui viennent ici. Voilà, c'est pour une pathologie. Et bien évidemment, je me dis pourquoi pas essayer. Je recommande. Bon, c'est sûr. Donc, en tant fibromyalgie, qu'est-ce que m'apporte la cure? Tout simplement, en fait, je lâche prise de plus en plus. J'apprends à lâcher prise parce que on est souvent très soucieux, etc. Donc là, de plus en plus, je relativise les choses. Du coup, j'ai de moins en moins de douleurs. Et évidemment, le bienfait, c'est que du coup, il y a quelques années de ça, je prenais des antidouleurs tous les jours. Alors que là, maintenant, c'est ponctuel. Donc, ça m'apporte un bienfait. Absolument.